Dans un contexte de crise humanitaire sévère, une lueur d'espoir pourrait émerger au Soudan. Selon l'agence de presse officielle des Émirats arabes unis, le président Mohamed bin Sayed Al Nahyan et le président du Conseil souverain soudanais, le général Abdel Fattah Al Burhan, se sont entretenus jeudi dernier par téléphone pour discuter de la crise au Soudan. Durant cet entretien, le président émirati aurait réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives visant à mettre fin aux violences et à promouvoir la stabilité dans le pays d'Afrique du Nord. Bin Sayed Al Nahyan a également souligné le soutien continu d'Abu Dhabi aux efforts humanitaires. Un dialogue renouvelé entre Abu Dhabi et Khartoum pourrait ouvrir la voie à une solution durable pour la crise. En attendant, le conflit qui dure depuis avril 2023 a déjà causé environ 15 000 morts et déplacé 10 millions de personnes selon l'ONU, avec des combats qui se sont étendus à 12 des 18 États du Soudan.